Une délicieuse recette de pain de courgette gourmande et facile à faire, on vous donne tout de suite la recette. On commence par faire cuire nos courgettes à la poêle avec un filet d'huile d'olive. On les assaisonne de sel, de poivre et de persaillotte, qui est un mélange de persil, ail et échalote. On va laisser cuire pendant quelques minutes, puis on va rajouter de l'oignon. Une fois les courgettes cuites, nous allons passer à la préparation de la pâte. Dans un saladier, on y met les œufs, la crème fraîche, la chapelure, puis on va assaisonner avec du sel, du poivre, du cumin qui va très bien avec les courgettes. Et on y rajoute nos courgettes cuites à la poêle. On recouvre un moule de papier sulfurisé, puis on y dépose au fond des tranches de courgettes. On vient ensuite verser notre préparation et c'est parti au four à 180 degrés pendant 45 minutes environ. Laissez refroidir, puis passez votre plat au réfrigérateur. Vous obtenez une recette pleine de fraîcheur et de gourmandise.